Salut les amis, c'est bon de faire la sieste à côté des folles. On est ici à l'élevage de la Barrière chez José et Serge Duchesne, les éleveurs de Tito de la Barrière, un gagnant du prix Montgomery à Auteuil il y a quelques années. D'ailleurs, on va aller voir José qui est avec une certaine poulinière. Je ne vous en dis pas plus, on va la voir tout de suite. Bonjour. Avec quelle poulinière es-tu là en ce moment là? Je suis avec Morning Rose. Oui. Explique-nous un peu son histoire, c'est qui cette... Alors Morning Rose, bah, il se trouve que c'est la cousine de Bramto qui vient de gagner la poule d'essai des plus mains la semaine dernière. Cousine de Bramto, c'est ça? Ouais. Donc c'est super quoi. C'est une super bonne jument qu'on a récupérée l'année dernière, elle était chez Philippe Cotin. Votre voisin? Notre voisin, voilà. Et donc on a fait un deal avec sa propriétaire, Madame Jacobson. On a la poulinière en échange de 50% du premier poulain. Donc cette pouliche qui est née cette année par Joshua Tree. Donc premier poulain premier d'une poulain. Cousine de Bramto. De Bramto. Et une nièce de Monson aussi. Voilà. C'est ça. Alors raconte-nous, tu as eu combien de naissances cette année? Alors cette année, on a eu 48 poulinages qui sont soit les poulains soit restés sur le site ou sont retournés maintenant dans leur appareil respectif. Oui, parce qu'on n'est pas loin de Segré, du Lion d'Angers, du Hard de Grand Courgeon. Vous faites aussi vous prenez aussi des juments en pension, c'est ça? On prend des juments en pension simplement pour la saison de monte ou alors bien évidemment à l'année. On travaille beaucoup avec le haras du Lion d'Angers parce qu'ils ont quand même beaucoup d'étalons. Et puis le haras du Grand Courgeon également. Et puis sinon, on se déplace régulièrement, hein, jusqu'à 3 ou 4 fois par semaine en Normandie. N'importe quel haras, Grand Camp, Étrelham, peu importe, au choix des clients.